C'est Marion Sigaud. Jamais depuis des décennies, un tel vent de révolte n'avait soufflé sur la France, et j'en ai respiré quelques-uns. La dictature sanitaire semble être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et il ne manque pas d'appels émouvants, parfois bouleversants, à nous ressaisir et à reprendre notre destin en main. Hélas, trois fois hélas, combien d'appels à rétablir la République, à sauver la République, à faire respecter la République, à proclamer une sixième République. Oh, c'est clair, il n'y a pas si longtemps, je m'en réclamais, et j'ai margé même dans un parti qui s'appelait Debout la République. Et j'en étais fier. Mais ça, c'était avant de savoir. Dès que j'ai commencé à étudier l'histoire et à chercher du côté de la Révolution, j'ai compris. Ce qui nous tue, c'est la République. Au temps des rois, les métiers s'organisaient eux-mêmes, et la santé, la retraite, le veuvage, le handicap ou les accidents de la vie étaient pris en charge communautairement dans chaque corporation qui fixait elle-même ses normes. Les villes se géraient elles-mêmes, elles assuraient leur défense, votaient leurs impôts, accueillaient ou refusaient qui elles voulaient, élisaient leurs conseils et ne rendaient de compte qu'à elles-mêmes. Les villages s'administraient eux-mêmes et prenaient toutes leurs décisions en assemblée générale des habitants qui choisissaient leur maître d'école, votaient leur budget, décidaient leurs travaux et répartissaient la charge due au roi. Le service public était assuré gratuitement par l'Église, elle-même rémunérée par la dîme, c'est-à-dire directement par les habitants, sans passer par l'État. Au-dessus, il y avait le roi, et personne ne se battait pour avoir sa place. Il était héréditaire, sacré, donc inamovible. Et quand il disait non, c'était non, on ne discutait plus. On appelait ça l'absolutisme royal. Et puis, par le mensonge, la violence, les massacres, et même au prix d'un génocide, on a imposé la République, qui se charge de tout, qui décide tout, qui normalise tout, qui nous explique ce qui est bien ou mal à partir de décisions prises en secret dans des loges inconnues du public. Et ce n'est pas une dérive malencontreuse, c'était dans le plan. Connaissez-vous Emmanuel Sieyès? Il fut, dit-on, un des pères de la Révolution. Eh bien, voici ce qu'il dit en septembre 1789. Je cite. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Fin de citation. La République a promu et installé la fin de la démocratie, c'est-à-dire du gouvernement du peuple par lui-même, sous la protection paternelle du roi, par la tyrannie de représentants de plus en plus éloignés, qui se battent régulièrement pour avoir ou conserver la place, et sous la tutelle des puissants invisibles qui les financent et qui les corrompent. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Les rois ont fait la France. La République n'a jamais su que la détruire.